Basile, vous gagnez 41-11, c'est une victoire qui fait vraiment du bien. Ouais, c'est une victoire qui fait du bien. On s'était fixé certains objectifs au début du stage et on a rempli exactement ce que le coach voulait. On a mis les choses en place, on a analysé leur jeu et leurs failles et aujourd'hui on a pêché dans certains domaines, mais je pense qu'on a surtout brillé entre guillemets sur les points clés qu'on avait fixés et ça a payé aujourd'hui quoi. Est-ce que c'est trop simpliste de dire que tout ce qui n'avait pas fonctionné en Suisse a fonctionné aujourd'hui ? Ouais, peut-être un peu, parce que c'est vrai qu'on avait mis des choses en place des choses en Suisse qui n'ont pas spécialement fonctionné, qui se sont mieux adaptées au style de jeu des Polonais et qui contre la Suisse, ouais, on s'est un peu loupé, on est passé à travers. Et ouais, aujourd'hui, ce qu'on met en place en fait depuis des mois, bah, paye aujourd'hui le plan de jeu, aussi simple qu'il puisse paraître, a fonctionné quoi. Et tu incarnes au niveau des lignes arrière la nouvelle génération. Je pense que la moyenne d'âge doit être à peine au-dessus des 20 ans. Comment est-ce que vous avez appréhendé ce match ? Est-ce que vous étiez stressé ou est-ce que justement la jeunesse vous a permis d'être assez cool ? Bah, y a toujours forcément un peu de stress et comme vous dites, on est vraiment jeune derrière. Et en fait, vu que ça fait un moment qu'on est ensemble, on a pris confiance. C'est vrai qu'au début, on s'est dit on est vraiment jeune, ça va être compliqué. Mais voilà, on est peut-être un peu moins solide, un peu moins gaillard que les autres équipes, mais je pense qu'on est vraiment bon sur nos qualités de vitesse, de passe, etc. Et ouais, voilà, on s'appuie vraiment là-dessus, et c'est ce que le coach veut mettre en place pour notre équipe, et les lignes arrière, évidemment, pas le contact spécialement, quoi.